Oh,
chantons Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi des rois, oh oui, nous te proclamons, roi, présent au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que Jésus est le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'il est le roi des rois? Prends la place, viens Jésus, prends la place. Oh oui, viens Jésus, prends la place du roi. Si tu le reconnais comme roi, est-ce que tu peux l'acclamer? Tu prends. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi de ce monde a des mandats limités. Le roi de ce monde, ils ont une durée de vie limitée. Mais lui est éternel. Et la Bible déclare, porte élevée volento. Je n'entends pas ton acclamation. Je disais, porte élevée volento. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel. Fort et puissant dans les combats. Oui, c'est lui le gloire. C'est lui le roi de gloire. Alors nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous le célébrons. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour nous sauver. Je sais que tu es là pour nous guérir. Je sais que tu es là pour nous restaurer. Je sais que tu es là pour nous faire du bien. Je sais que tu es là. Oh. S'il te plaît, Église, soit nous sommes prosternés, soit nous sommes debout. Nous voulons honorer Dieu. Même si vous avez les enfants, s'il vous plaît, soit nous sommes debout, soit nous sommes à genoux. Levons-nous tous. Ou bien prosternons-nous. Je sais que tu es là pour sauver. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là pour me restaurer. Je sais
que tu es là pour me visiter. Je sais que tu es là pour me toucher. Oh oui, je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Est-ce que tu le crois qu'il est là? Tu le crois qu'il est là? Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de croire. Là où deux enfants sont réunis, il est là au milieu d'eux. Nous ne venons pas passer notre temps, mais nous venons offrir un culte raisonnable à notre Dieu. Oh oui, je sais. Oh oui. Qui sait qu'il est là? Qui sait qu'il est là? Tu peux lever tes mains. Tu dis, je sais que tu es là pour me bénir. Oh oui, je sais que tu es là pour me restaurer. Oh, oh, je sais que tu es là pour me donner la joie. Te bénis, mon âme te bénit. Oh oui, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme. Oh, mascara, 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 mascara. Oh oui, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais, encore, oh mon âme. Il n'y a pas de sécheresse. Là où Dieu est, il n'y a pas de mort. Là où Dieu est, là où sa présence est, non, rien de négatif ne peut ressortir. Là où Dieu est, il ne peut qu'apporter la restauration. Il ne peut qu'apporter la joie. Il ne peut qu'apporter la vie en abondance. Là où sa présence est révélée. Oh oui, ce n'est plus les hommes qui travaillent, mais c'est la nuée de Dieu. La Bible déclare que lorsque la nuée avait rempli le tabernacle, même le sacrificateur ne pouvait plus faire le service à cause de la nuée de sa gloire. Là où Dieu est, il rend les choses faciles. Là où Dieu est, il apporte tout ce dont ton cœur désire. Oh oui, mon âme, mon âme. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là.
Il est là. Il est là parmi nous. Celui qui marche au milieu de cette chandelle d'or. Celui qui tient de cette étoile entre ses mains. Celui qui peut faire ce qu'un homme ne peut faire. Lui seul peut réaliser ce qu'aucun homme ne peut réaliser. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Voilà pourquoi nous voulons lui offrir une bonne offrande d'acclamation à notre Dieu. Et nous voulons pousser des cris de joie. Je n'entends pas ton cri de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie. La Bible déclare dans le livre de Psaumes au chapitre 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure point pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Y a-t-il la génération qui invoque le nom du Seigneur? La Bible dit que c'est une génération qui va obtenir la bénédiction de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et la Bible continue au verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, pour le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Vous savez, dans le protocole, lorsqu'un roi entre quelque part, c'est tout le monde qui est debout, c'est tout le monde qui acclame et c'est tout le monde qui célèbre. Il n'est pas n'importe quel roi. Alléluia. Nous voulons chanter ce cantique simple. Le roi des rois, c'est Jésus. Alléluia. Oh, le roi des rois, c'est Jésus.